Aujourd'hui est un jour exceptionnel, marqué par une joie immense et une gratitude profonde. C'est avec un honneur indescriptible que je me tiens devant vous en tant que lauréat premier de la République en sciences mathématiques. Ce moment est le couronnement de plusieurs années de travail acharné, de détermination et de sacrifice, non seulement de ma part, mais aussi de toutes les personnes qui m'ont soutenu et encouragé tout au long de mon parcours. Je voudrais commencer par exprimer ma plus grande reconnaissance à ma famille, mon papa, ma maman, mes frères et oncles, vos encouragements constants, votre amour inconditionnel et vos innombrables sacrifices ont été le fondement de ma réussite. Papa, tes conseils avisés et ta sagesse m'ont guidé dans les moments de doute. Maman, ta patience et ton soutien indéfectible ont été une source de force inépuisable. Je tiens également à remercier mes enseignants et mes écoles d'origine. Depuis mes premières années d'école primaire jusqu'à mes années de lycée, vous avez toujours joué un rôle tant crucial dans mon éducation. Je n'oublierai jamais les encouragements de mes camarades de classe qui ont été des compagnons de route précieux dans cette aventure académique. Ensemble, nous avons relevé les défis, partagé des moments de doute et de succès, et nous avons appris les uns des autres. Votre camaraderie a été une source de motivation continue. À ce stade de ma vie, alors que je me prépare à franchir une nouvelle étape, je voudrais partager mes ambitions pour l'avenir. Mon rêve est de poursuivre des études de haut niveau dans des institutions renommées à l'étranger. Mon objectif est d'acquérir des connaissances et des compétences avancées en mathématiques et dans les disciplines connexes, afin de pouvoir apporter une contribution significative à la recherche et à l'innovation. En étudiant à l'étranger, je souhaite non seulement acquérir des compétences techniques avancées, mais aussi m'ouvrir à de nouvelles perspectives, à différentes cultures et à des approches variées de résolution des problèmes. Je suis particulièrement inspiré par les progrès réalisés dans les domaines de l'intelligence artificielle, des technologies de l'information et de la mondialisation, de la modélisation mathématique. Je suis convaincu que ces domaines offrent des opportunités extraordinaires pour transformer nos sociétés. Par exemple, l'utilisation des données et des algorithmes pour améliorer les synthèses de santé, optimiser les processus agricoles et développer des infrastructures intelligentes peut avoir un impact profond sur la qualité de vie de millions de personnes. Je suis honoré de représenter notre pays en tant que lauréat premier de la République en sciences mathématiques et je promets de continuer de travailler dur pour mériter cette distinction. Ensemble, continuons à aspirer à l'excellence et à construire un avenir prometteur pour notre nation. Merci et que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je suis Konaté Lansiné, le professeur de mathématiques et les enfants m'appellent souvent Madidi et j'aime ce nom. Je suis comblé vraiment de joie et il faut le dire, il s'est fixé un objectif, il a atteint son objectif et c'est ça. Je suis vraiment content de lui. Je m'attendais très bien à ce résultat et il a bouché et il a bien travaillé et il m'a promis et il a réalisé sa promesse aussi. C'est un élève, il est bien, il est calme, et il a tout. Un bon élève peut avoir dans une salle de classe, là il faut le dire.